enquêteur de la CRIEF sur une affaire d'enrôlement présumé d'étudiants fictifs dans son université. Interrogé ce jeudi 14 avril 2022 sur cette convocation, le leader de l'Union démocratique de Guinée, UDG, a insinué que l'ancien ministre de l'économie et des finances récolte les fruits amers qu'il a semés en voulant plonger d'autres. On dit chez nous que quand la case de ton voisin est en train de brûler, il faut l'aider à éteindre le feu, parce que sinon le feu risque de se propager chez toi. On était tout tranquille lorsqu'il est monté sur ses chevaux pour envahir les médias en parlant des Audi et évoquer mon nom. À l'époque il avait appelé pour qu'on soit traduit devant la CRIEF. Mais moi, je l'avais prévenu en lui disant que si je dois aller à la CRIEF, il ira avant moi, je le trouverai sur place. C'est ce qui s'est passé, a réagi M. Silla. En février dernier, la Cour de répression des infractions économiques, CRIEF, avait annoncé l'ouverture d'une information judiciaire dans le dossier de la vente d'Air Guinée. Le parquet s'est fondé sur un rapport d'audit réalisé en 2009 sous la supervision de Dr. Ousmane Kaba. Moi je ne me reproche de rien. Si l'on doit me demander, c'est de savoir comment j'ai acheté l'avion. C'est tout. Quoi qu'il arrive, en tout cas, Ousmane Kaba a été convoqué avant moi. Je pense que la prochaine fois, il va s'occuper de ses oignons et laisser les gens tranquilles. Il ne faut souhaiter du mal à ton prochain, a-t-il martelé.